l'espace, c'est fondamentalement en Europe un projet européen. Nous avons une agence spatiale européenne qui coalise 22 États membres et nous avons aussi une politique spatiale de l'Union européenne dont les deux grands projets phares sont Galileo et Copernicus. Et ensuite, effectivement, l'espace va permettre de rendre des services utiles aux terriens en matière de sécurité, en matière de connectivité, en matière de surveillance du changement climatique, en matière aussi de rêve et de dépassement de soi, et nos démocraties en ont besoin. Donc l'espace est effectivement une nouvelle frontière pour l'Europe. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir cette capacité de porter des grands projets. Elon Musk, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est l'expression d'une volonté politique américaine. À un moment, la NASA a décidé de s'organiser autrement. Elle faisait beaucoup par elle-même, avec la navette, et puis elle a décidé finalement de mettre des milliards dans un nouvel acteur, et ça a été la création de SpaceX. Notre concurrent a reçu plus de 10 milliards en moins de 10 ans, donc vous voyez que ça n'est pas du tout une start-up fondée dans un garage avec des moyens qui seraient artisanaux. Non, c'est vraiment l'expression d'une volonté politique, et je dirais que ça doit, nous, Européens, nous inciter à avoir cette même volonté d'un grand partenariat public-privé avec des acteurs publics qui investissent et des acteurs privés qui prennent le relais et qui innovent. Et c'est un peu la deuxième réflexion. Nous devons continuer de nous situer sur la frontière technologique, la frontière de l'innovation. Nous avons avec Ariane 6 un lanceur qui va être parfaitement adapté aux besoins européens. Il rentrera en service l'année prochaine, mais Ariane 6, ça n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure où on doit innover toujours plus rapidement, avoir toujours les technologies les plus disruptives. Et donc Ariane 6, le moment venu, aura un successeur. Thierry Breton a parlé d'Ariane 7. Eh bien, on va réussir l'exploitation d'Ariane 6 et on va commencer la préparation d'Ariane 7.